Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen, mesdames et messieurs. Pendant ce mois de novembre, nous avons prié pour nos défunts, c'est-à-dire pour nos morts. Et peut-être qu'il y a une objection ou bien une interrogation. Est-ce raisonnable, est-ce licite de prier pour les morts? Est-ce que cela ne va-t-il pas contre la Bible elle-même? Eh bien, non. Parce que, tout d'abord, Dieu est infini, Dieu est illimité. C'est nous qui sommes limités. Mais, puisque notre prière s'adresse à Dieu, et puisque Dieu est par sa nature l'être même, celui qui est infini, éternel, eh bien, le Seigneur peut appliquer notre prière à nos arrière-petits-enfants qui ne sont pas encore nés et à nos arrière-grands-parents qui sont morts depuis longtemps. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit dans le Saint-Évangile que les morts ne sont morts que par leur corps, mais leur esprit, leur âme vit. Puisque Dieu s'appelle lui-même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, nous prions les uns pour les autres. Et là, l'on serait capable de dire, mais oui, tant que nous sommes vivants, ça va, mais quand on est mort, c'est fini, tout est fini. Alors nous, comme les animaux, tout est fini. L'âme de l'homme est comme l'âme de l'animal, comme dit le livre de l'Ecclésiaste, et l'esprit. Eh bien, le même livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, dit que la poussière, le corps va à la poussière, mais l'esprit revient à son Dieu qui l'a donné. Donc, nous prions les uns pour les autres, parce que les âmes, ou les esprits si vous voulez, continuent à vivre. Et rien ne nous sépare de l'amour du Christ, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, si je ne me trompe. Jésus lui-même avait dit que celui qui vit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il va vivre. Et celui qui vit et croit en moi, eh bien, il vivra pour toujours. Dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 12, verset 32, Jésus nous dit que blasphémer contre l'Esprit Saint ne sera pardonné ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Donc, il y a un pardon des péchés dans l'autre monde, dans l'au-delà. Donc, c'est pourquoi nos prières aident, ou bien voudraient aider. D'autant plus que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 27, on nous dit, Saint-Jean nous dit, rien qui n'est pas propre ne peut entrer au royaume de Dieu. Donc, nous devons être purifiés de nos péchés. Si ce n'est pas dans ce monde, eh bien, dans l'autre. Et c'est là que les prières nous aident, même après notre mort. La doctrine du purgatoire est vraiment logique. Puisque la majorité des êtres humains que nous sommes, la majorité des hommes, ne sont pas si bons, si purs pour entrer au paradis, ni si impurs et si mauvais pour aller en enfer. Est-ce que c'est le pape Grégoire le Grand, 590 jusqu'à 604? Est-ce que c'est lui qui a inventé la prière pour les morts? Eh bien non, puisque nous avons la prière pour les morts aussi dans l'église orthodoxe, dans l'église copte orthodoxe, avec laquelle la séparation a eu lieu déjà en 449. Avec l'église, dans l'église syriaque, assyrienne, arménienne orthodoxe, nous avons aussi la prière, les prières pour les morts.
Or, la séparation avec eux a eu lieu en 451. Nous avons la prière pour les morts dans l'église byzantine orthodoxe, byzantine grecque orthodoxe. Et la séparation entre Rome et Constantinople a eu lieu en 1054. Donc ce n'est pas l'église catholique qui a inventé la prière pour les morts. Saint Grégoire le Grand, c'est la fin du 6e et le début du 7e siècle. Eh bien, figurez-vous que Sainte Monique, qui a vécu au 4e siècle, demandait à son fils, le futur Saint Augustin, de se souvenir de son âme à elle et de prier pour elle, pour son âme à elle, pendant sa Sainte Messe, pendant ses Saintes Messes. Dans les catacombes qui remontent aux premiers 3 siècles du christianisme, de la chrétienté, nous trouvons des prières pour les morts. Dans l'apocryphe Actes de Paul et de Thécla, qui remonte au 2e siècle, eh bien, nous trouvons aussi des prières pour les morts. Notre âme, notre psychologie, notre bon sens chrétien refuse la mort, refuse que la mort soit la fin de tout, et comme le dit le cantique, l'amour est fort comme la mort, l'amour, grâce à Jésus ressuscité, est plus fort que la mort. Merci.